Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le bazar de Lily et avec You le Gamer. C'est moi qui parle bien sûr. Alors aujourd'hui nous allons vous apprendre comment faire un appareil au citron pour la mettre dans la crème de citron. Comme vous savez, c'est bientôt Noël, c'est demain soir, c'est le réveillon, il y a la bûche et tout. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël, voilà. Donc du coup, pour les ingrédients, nous avons besoin de 3 citrons pressés, 3 œufs, 15 g de beurre, 10 g de maïzena, 150 g de sucre, une pincée de sel et c'est tout. Le zeste de citron. Et le zeste de citron, bien sûr. Oh, on n'a pas sorti le sucre. Et voilà, donc... et pour les outils, on va dire les outils, vous allez avoir besoin d'un moule. D'un fouet, c'est pas un moule. D'un fouet, pardon. D'un fouet. D'une fourchette, je sais pas à quoi elle sert la fourchette, mais bon, prenez une fourchette, je crois que c'est... Et le truc pour zester votre citron. Allez. C'est parti. Alors, allez. On va commencer par casser les œufs. Ok, cassez les œufs. Faites attention de ne pas casser les trucs. T'es pas sur ta chaîne, t'arrêtes de crier, ouais. Mais ouais, mais tu sais qu'on est dans la vidéo. j'espère que vous allez vous marier en famille ou tout seul si vous êtes célibataire. Pourquoi je l'ai invité dans ma vidéo? Je serais pas dû. Mais c'est toi qui m'as dit. Mais j'aurais pas dû, c'est vraiment pour toi, c'est pas... Mais on peut pas entendre ta voix puisque t'as pas le micro. Oh, t'es sérieux, tu fais le truc bien ou pas là? Bah ouais. J'espère que ça filme pas là. Mais si, ça filme. Bon alors, tu reprends la recette ou quoi hein? Ok, On a mis 3 œufs. Bon, on les bat et après on rajoute le sucre. Bon, on l'a perdu, okay. Hein. Bon. Il tient pas, on est le 23 décembre, là, j'ai perdu. Surtout, n'hésitez pas à aller chez le coiffeur, j'ai fait une super belle coupe. Oh, c'est un sujet, là, on est en train de faire une crème au citron, on est en train de parler du coiffeur. Après, vous allez remuer les œufs. Après, vous allez mettre vos 150 g de sucre. Moi, j'en ai que 50, est-ce que 100, parce que je suis au régime. Si vous êtes au régime, n'en mettez que 100. Si vous n'êtes pas au régime, mettez 200. Donc là on voit, hein, blanchit. On blanchit les œufs. Ok, donc après vous allez remuer et tout pour que ce soit bien. Tranquille, relax les pépitos. Ensuite, si vous connaissez Polo, n'hésitez pas à vous abonner à lui, hein. Il est trop bien. Ouais, sur ma chaîne, tu parles pas de lui, là. Arrête tout, hein. Après, vous allez mettre votre pincée de sel. Vous en mettez une. Hein. Ouais. Après, vous allez prendre votre maïzena. Après, vous allez prendre avec une... Comment tu dis ? Maïzena. Ah non. Ensuite, après, vous allez prendre une cuillère à soupe. Vous allez prendre la maïzena. Et le mettre dedans. Combien de grammes, je sais pas. Il a complètement déconcentré. mais je sais pas combien il faut de grammes pour le 10 pour grammes, la. Tout à l'heure tu as dit les ingrédients. Ok. Il faut mettre 10 grammes de maïzena. Maïs, c'est ça? Ben oui. Mais c'est pas maïzena. On n'a jamais vu quelqu'un qui sait pas dire maïzena. C'est pas dur maïzena. 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 Ouais, c'est bon. Maïzena. Mais je sais pas, moi. Ouais, c'est sûr, on a compris que tu sais pas. Ouais, je crois que tous les... Ah, surtout, merci à ceux qui sont abonnés. Ça nous aide vraiment dans notre truc. Je fais les recettes pour moi, j'ai pas besoin d'abonner, je suis pas comme toi. Moi, je fais juste les recettes pour m'en rappeler, tu sais. Après, s'il y en a qui tombent dessus, bah t'en mets. Donc, du coup, j'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que si vous aimez pas. Non, je sais pas. J'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que sinon, si vous aimez pas, Je me suis rappelé de moi. Oh punaise!
Appelez l'ambulance, les abonnés, appelez vite l'ambulance. La vidéo folle. Bon, alors. Après, vous allez zester le citron. Je t'appelle plus pour faire des vidéos. Vous allez zester le citron. Mais quoi? Tu baves pas dessus là. Mais non, mais on va entendre ma voix. Ah bah ça, pour l'entendre, on va l'entendre. J'ai une super voix, tu trouves? Il y a même pas de micro. Il y a même pas de bus. C'est possible. Bon, après, vous allez zester votre citron. En tout cas, je sais que le 23 décembre, faut pas te l'appeler. Bon, maintenant, on va presser les citrons. Je suis même pas la recette. Ensuite, après, vous allez couper votre petit citron et vous allez le zester. Puis après vous allez récolter son jus. Mais en fait maman, le zeste du citron c'est son sang. Moi je rappelez-moi de faire vidéo le 23 décembre avec un enfant de 9 ans. Ok. Il est complètement hystérique. Après récolter beaucoup de jus, au moins 50 grammes. N'importe quoi. Arrête, je vais te faire partir de la vidéo pour de bon là. C'est les 3 citrons que je suis en train de presser. Ah oui, je t'appelle pour me détendre, mais alors là, c'est plus de la détente. Hein. Mais on rigole. Ah oui, mais on rigole trop. On part de la recette. Si je me trompe, tu n'auras pas de rouleau de rouler au citron. Oh. On a besoin de cette crème pour le rouler de demain. Tu sais que tu es en train de m'expliquer dans la vidéo. Ben oui, ben, je suis obligée. Est-ce qu'on va la publier? S'il te plaît. Bon, je vais regarder. S'il te plaît. Arrête, là, tu bouges le mec. Mais... Oh, pardon. Oh, regarde. Mais il était bien, non? Si c'est pas comme je veux, je la publie pas. D'accord. Alors, une fois qu'on a fini de presser le citron, on va tout mettre sur le feu. Ensuite, vous allez verser votre jus dans votre mélange. Après, vous allez cuire votre mélange à feu vif. Et puis après, en dernier, vous allez mettre le beurre. Donc là, on remue jusqu'à ce que ça épaississe, que la maïzena épaississe. Et une fois que ça épaissit, on rajoute le beurre. Donc là, c'est encore liquide.
C'est toujours liquide, ça va épaissir la maïzena. Voilà, au bout de même pas 5 minutes, on arrive à cette épaisseur. Voilà. Je vais mettre à feu doux et rajouter du beurre. Donc à peu près 15 grammes de beurre. Comme ça, ma crème est prête pour demain. Et demain, je filmerai la recette de la génoise pour faire le roulé. Hein. Là, je prépare ma bûche, mon roulé au citron, parce que nous n'aimons pas les bûches. Donc pour Noël, nous mangeons des roulés à la framboise et au citron. Voilà. Voilà, ça doit ressembler à ça. Je vais goûter si c'est ok. C'est ok. Ah, c'est vrai qu'avec du sucre, c'est quand même un peu meilleur. Hein. On va pas se mentir. Voici l'appareil au citron que nous allons retrouver demain dans le roulé. Je vous dis au revoir et à bientôt.